nous vous expliquons en trois étapes vidéo comment vous pouvez devenir fondateur. Co-actionnaire d'une compagnie ayant des assises légales dans 212 pays. Et qui vous permettra de changer radicalement votre mode de vie et celle de votre entourage. Cette très courte partie vous expose les 10 points essentiels de cette magnifique opportunité qu'est OnPassive, qui fait qu'elle se différencie totalement de ce qui existe actuellement en ligne ou hors ligne. 1. OnPassive a fondé son activité sur l'intelligence artificielle. 2. Son créateur Ashnu Faray est un humaniste avec une culture et une expérience reconnue dans le domaine du marketing. 3. Une compagnie tout à fait claire avec un siège aux États-Unis, des bureaux en Inde donc un actif immobilier réel. 4. OnPassive vous donne la possibilité d'être indépendant tout en étant soutenu par une équipe. 5. On vous expliquera en quoi OnPassive est l'antithèse du MLM. 6. Nous vous dévoilerons sur quoi repose l'activité propre de OnPassive. 7. Quelle est la cible de OnPassive, à qui s'adresse la compagnie et quels sont ses objectifs? 8. Un aperçu de quelques produits et outils de OnPassive. 9. La possibilité de devenir fondateur, c'est-à-dire quasi-co-actionnaire de OnPassive et ses avantages. 10. Et comment nous rejoindre? Je partage cette opportunité avec un maximum de personnes pour partager à la fois ma vision, mais également des produits de très haute qualité que propose la compagnie OnPassive. Vous avez sur votre gauche le building OnPassive qui se situe à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Et vous avez sur votre droite une photo de l'immeuble OnPassive qui se trouve à Hyderabad. Il y en a un autre à Bangalore, Hyderabad et Bangalore se trouvent en Inde. Les bureaux de Bangalore au cours de cette année 2021 vont migrer vers Hyderabad, la ville high-tech par excellence, de très haute qualité et de très haut niveau. OnPassive y possède des bureaux physiques, et est également représenté dans de nombreux pays. C'est pour cela que tout ce qui se fabrique chez OnPassive, est réalisé en Inde. C'est une compagnie qui se construit depuis l'année 2018, aux compétences reconnues par toutes les personnes expérimentées, afin qu'elles soient pérennes. Ce n'est pas une compagnie qui va ouvrir puis fermer dans 3 ans. Elle est faite pour durer dans le temps. La personne que vous voyez à l'écran, est Monsieur Ashnu Faray, il est l'instigateur de cette start-up, de ce projet, de cette magnifique vision, il a su réunir toutes les compétences nécessaires au développement des outils que nous allons voir un peu plus tard dans la présentation. Actif sur le net depuis une vingtaine d'années, il a à peu près tout fait sur Internet, il a été extrêmement compétent dans certaines sociétés, et il a eu énormément de succès avec ses compagnies. Mais lucide, il en a vu les limites. Il a vu que à part les personnes qui sont à la tête de cette société, pas grand monde avait un revenu correct. Aussi il veut mettre quelque chose en place qui à la fois, révolutionne le monde d'Internet, à l'échelle planétaire, et en même temps, permettre à toute personne sur cette planète d'avoir un revenu décent pour pouvoir vivre correctement. Il a su également s'entourer de personnes extrêmement qualifiées pour le développement de ses outils basés sur l'intelligence artificielle. OnPassive est une société qu'il a mise en place depuis 3 ans, et depuis 3 ans, cette jeune start-up s'est développée, et a développé des outils extrêmement performants, pour vous donner un ordre d'idée de la performance. Ce sont des outils qui ont entre 7 et 10 ans d'avance sur tout ce qui se fait aujourd'hui. À ce jour sa société compte 1000 salariés, et sera classée compagnie licorne, c'est-à-dire ayant réalisé 1 milliard de chiffres d'affaires dans l'année. Cela va arriver très vite, tout de suite après le lancement d'OnPassive, et nous sommes tous des fondateurs absolument convaincus que OnPassive sera classée compagnie super licorne dès qu'elle sera active après 20 milliards de chiffres d'affaires. Monsieur Ashnu Faray, je le rappelle, est l'instigateur du projet de la start-up. Il est absolument habité par le fait de partager les richesses, donc à monter une société à haute valeur ajoutée. De manière à reverser le maximum à toutes les personnes qui viendront s'inscrire en tant que fondateurs, et à toutes les personnes qui seront revendeurs de la compagnie OnPassive, c'est-à-dire qui revendront les outils.
Il applique la règle des 20-80 que vous connaissez tous dans différents secteurs, mais lui il l'applique au niveau de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il va garder 20% pour son fonctionnement et son développement. Et reverser 80%, ce qui lui reste une fois qu'il a payé tout ce dont il a besoin pour son développement et pour ses frais. Les 80% seront reversés de manière équitable à toutes les personnes qui participent à l'essor dons passifs et qui participeront plus tard en tant que revendeurs à cet essor. Aujourd'hui, On Passive approche des 700 000 fondateurs répartis dans 212 pays et territoires. En fait, On Passive est légale dans 212 pays, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un numéro de société dans ces pays, et qu'elle peut à la fois acheter de l'immobilier, avoir des salariés, les payer, et développer ses produits dans ces pays. C'est parfait pour son développement futur, qui va être fulgurant, et qui compte quand même, je le rappelle, aujourd'hui près de 700 000 fondateurs. Ce n'est pas pour rien que ces personnes ont rejoint On Passive aujourd'hui qui est absolument viral. Si vous tapez sur Google ou sur YouTube ou sur Facebook, vous verrez des centaines, voire des milliers de personnes qui en parlent. Tous les outils développés par la compagnie On Passive sont supérieurs à tout ce qui existe aujourd'hui, ils s'attaquent au marché d'Internet qui est absolument colossal. On Passive à sa sortie, va avoir un impact absolument gigantesque, et va attirer énormément de personnes sur la planète. Cela va vraiment développer le chiffre d'affaires de manière colossale et très rapidement. Les outils On Passive sont basés sur 4 piliers qui regroupent le modèle On Passive. Ces 4 piliers sont les outils. Nous allons voir l'automatisation de ces outils, c'est-à-dire le secteur de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de vous envoyer 10 000 personnes sans intérêt sur votre site internet, mais de vous envoyer des visiteurs qui sont ciblés pour ce que vous avez à proposer. Donc On Passive est spécialisé dans le trafic de masse ciblé et va donc vous procurer automatiquement un trafic sur votre business, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Le quatrième pilier, ce sont les revenus. On Passive va permettre à toutes les personnes qui utilisent les outils développés par celle-ci d'avoir un revenu automatique récurrent et de plus en plus important. On Passive, depuis 3 ans, possède un département de développement d'intelligence artificielle qui met en place des outils extrêmement performants. Pour vous donner un ordre d'idée de la performance, ce sont des outils qui ont entre 7 et 10 ans d'avance sur tout ce qui se fait aujourd'hui. Chaque outil est breveté par la compagnie, ceux-ci sont au nom d'On Passive. Elle ne sous-traite absolument rien à l'extérieur, n'a aucun contrat, ni aucune alliance avec quelques sociétés ou gouvernements. Elle est complètement indépendante et ne veut absolument aucune alliance avec qui que ce soit. Ce qui lui laisse la possibilité d'être complètement libre de ses actes. Voici l'écosystème d'On Passive. Cela représente 50 outils, pour la sortie d'On Passive nous en aurons entre 50 et 60. Là, vous avez à l'écran une cinquantaine d'outils. Chacun de ces outils aurait pu faire l'objet d'une société et d'un développement de société à part entière. On Passive a mis en place un écosystème de tous les outils et quels que soient vos besoins, vous aurez l'outil qui sera approprié par rapport à ceci. Quand vous allez rentrer dans On Passive, vous aurez accès à tous ces outils. Ils seront dans votre bureau On Passive et aurez la possibilité de les utiliser. Au niveau de l'intelligence artificielle, sachez que tous les outils sont interconnectés. Je rappelle et ceci est important que tous les outils d'On Passive sont en accès illimité. Derrière ces outils il y a un business réalisant plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année sur Internet. Le premier outil que nous avons déjà est Ocadmi. Si vous avez une formation à offrir ou à monnayer, quelle que soit la formation diplômante ou pas, ou par exemple une passion ou une spécialisation dans tel ou tel domaine. Vous allez pouvoir l'offrir ou la monnayer, et pouvoir générer un revenu, vous allez avoir une exposition mondiale grâce à On Passive. On Passive va générer énormément de vues sur votre propre formation. Vous allez voir énormément de personnes qui pourront suivre vos formations. À partir de là, toute personne, quel que soit son pays, ou son niveau, va pouvoir suivre cette dernière, soit dans la matière qui l'intéresse, soit pour avoir une formation diplômante, universitaire, etc. Il y aura toutes sortes de niveaux de formation ou de coaching, par exemple des cours de spécialisation. Pour tous ceux qui vont monnayer une formation, la compagnie On Passive ne prend pas un seul centime sur les revenus réalisés par la vente de vos formations. Ce qui va permettre à tous les professeurs et tous les enseignants du monde entier de se constituer un revenu très substantiel grâce à Ocadmi et également à tous les étudiants de suivre n'importe quelle formation à partir du moment où ils ont une connexion Internet. Voici un des buildings de l'académie. Bien sûr, Ocadmi sera forcément en ligne, mais il y aura également des biens physiques. Si vous prenez par exemple l'outil vidéoconférence, vous allez avoir un outil en rentrant chez On Passive de vidéoconférence qui va vous permettre de faire autant de conférences que vous le souhaitez. Avec autant de participants en ligne que vous le désirez et vous pourrez faire ces vidéos et les enregistrer automatiquement sur votre hébergement On Passive.
Exemple, si vous faites une conférence sur le centre dédié de votre compte passive, vous allez pouvoir à la fois enregistrer, envoyer, celle-ci grâce à l'outil de vidéo marketing. La mettre sur le site internet hébergé, bien sûr dans l'écosystème qui sera sécurisé par celui-ci. Et vous aurez même un site internet qui sera optimisé pour les moteurs de recherche. Vous allez pouvoir envoyer votre vidéo conférence par vidéo email, et également par des campagnes marketing en masse. Qu'elles soient en vidéo ou en PDF, etc. Et en plus, vous allez être traduit en 58 langues, donc vous allez avoir une exposition mondiale. Nous avons Zo. Mail, imaginons que vous ayez un business avec 100 000 clients avec leur adresse email et que vous vouliez réaliser une promotion. Vous allez pouvoir envoyer des newsletters à vos contacts autant de fois que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite sur le nombre de contacts que vous pouvez avoir et il n'y a pas de limite sur le nombre d'envois que vous pouvez réaliser. Obless, c'est un peu le poumon, c'est le côté visionnaire de Monsieur Ashnufare. Toutes les personnes qui auront une cause ou un projet vont pouvoir les mettre en place et être vues et avoir une exposition mondiale sur les projets ou sur leur cause. Et tous les dons que vous allez recevoir sont à 100% pour la cause. La compagnie, passive, ne prendra pas un seul centime sur vos dons, contrairement à la plupart des sociétés d'aujourd'hui de crowdfunding qui prennent une grosse part. Si vous obtenez 100 € de dons, ces 100 € vont directement sur le portefeuille de la cause. Regardez trois exemples de compagnies de crowdfunding. Vous avez GoFundMe qui réalise quand même 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Kickstarter qui réalise 35 400 000 $ de chiffre d'affaires annuels. Inedigogo qui réalise 23 800 000 $ annuellement, donc tous ces millions de dollars sont ponctionnés sur les dons que les gens font. Monsieur Ashnufare ne supporte pas ça, pour lui il est hors de question que la compagnie passive prélève un seul centime. Si quelqu'un donne 10 €, la cause reçoit 10 €. Et vous allez pouvoir interagir avec tous ces outils si vous avez besoin de produits dérivés. Si vous avez besoin d'un renseignement au niveau de la légalité ou de la fiscalité, vous aurez également un outil légal complet qui va vous permettre de demander des renseignements et d'obtenir des réponses. Odomaine est un outil intéressant avec lequel vous aurez votre propre nom de domaine, votre propre site internet, l'hébergement, la sécurité et l'optimisation pour les moteurs de recherche et tout ça en automatique, sans vous en occuper. Vous allez avoir Ostaff qui est un outil qui permet à n'importe quelles entreprises, qu'elles soient très petites, petites, moyennes et grandes, très grandes et très, très grandes, d'organiser tout son personnel. Et d'avoir tous les datas par rapport à son personnel, à bien planifier une réunion avec telle ou telle personne, regrouper les CV et les compétences. Si vous cherchez une compétence, vous allez faire une recherche sur celle-ci et ça va vous donner toutes les personnes qui travaillent chez vous dans votre entreprise ayant cette compétence. Donc, c'est un gain de temps énorme. En fait, ça va remplacer tout ce qui est ressources humaines, mais plus que ça, organiser les congés, les augmentations de salaire et tout ça adapté en fonction du pays où vous avez votre entreprise. Et vous voyez à l'écran un certain nombre d'outils comme Academy, vous voyez que tous les outils commencent par un O. CA représente la Terre. C'est également la première lettre don passive, donc nous avons vu Academy, il y a Obless qui sera votre plateforme de crowdfunding, vous aurez ZoConnect, qui sera votre plateforme de connexion, par exemple avec tous les sites sociaux. Vous allez pouvoir vous connecter avec qui vous voulez directement de votre back-office. Nous avons également Wallet qui va être votre banque en ligne et votre portefeuille qui va vous permettre à la fois de sortir vos gains ou de les convertir en crypto-monnaie ou de recevoir de la crypto-monnaie et de la convertir en dollars ou en euros. Pour changer vos euros en n'importe quelle devise, de faire vos virements sur vos banques directement, ou par exemple, si vous êtes séduit par une cause humanitaire sur la plateforme de crowdfunding. Vous allez pouvoir directement offrir un don à un projet ou à une cause directement via votre portefeuille Wallet. L'écosystème est un tout, tous les outils sont absolument illimités et ça touche tous les secteurs, c'est-à-dire que ça s'adresse à toutes les parts de marché aujourd'hui existantes sur le net. Et tous les outils comme Obless que propose passive dans son écosystème sont illimités dans le temps et dans l'utilisation. Par exemple votre centre de conférence, vous allez pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24. Vous allez pouvoir enregistrer des vidéos 24 heures sur 24 également si ça vous chante. Tous les outils sont illimités quand vous enverrez des emails à propos de votre campagne marketing par rapport à votre projet. Vous allez pouvoir envoyer autant d'emails que vous le souhaitez et aussi souvent que vous désirez, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, passive va reverser 80% de son chiffre d'affaires automatiquement à toutes les personnes qui utilisent passive. À partir de là, vous allez avoir un revenu automatiquement généré par la compagnie passive, vous n'avez pas à vous en occuper, il va devenir de plus en plus important au fil des semaines ou des mois.
Et en même temps, ça va automatiser tout votre business que vous en ayez un ou pas, ça va automatiser votre publicité, le marketing en ligne, des recrutements ou la signature de contrat, par exemple la construction de votre équipe. OnPassive va placer des clients sous vous directement, qui vont contribuer à l'ampleur de votre revenu, ça automatise n'importe quel business et vos revenus. Il y a deux possibilités. Soit vous avez un business, dans ce cas-là, vous confiez l'automatisation de ce dernier à OnPassive, c'est OnPassive qui s'occupe de tout. Ce qui ne vous empêche pas, par exemple, de faire votre propre site internet avec l'outil au domaine, de mettre vos propres produits, etc. Maintenant, vous aurez la possibilité de devenir fondateur, dont passif cela veut dire quelque chose, ça a une valeur. Vous faites partie des fondateurs de la compagnie OnPassive. Vous partagez à la fois la vision de partage équitable des richesses que va générer OnPassive. En s'attaquant quand même à tout ce qui concerne le marché d'Internet qui représente plusieurs centaines de milliards de dollars annuels. Vous allez être au top de ce marché-là, et vous avez la possibilité, avec OnPassive surtout avec l'automatisation d'un placement de nouveaux clients sous vous, la compagnie s'en charge. Et à partir du moment où vous aurez 3 clients placés sous vous, vous allez être en profit. C'est-à-dire que pour être membre OnPassive, il vous faudra payer à la sortie d'OnPassive un abonnement. Pour ce dernier, nous n'avons pas encore de prix fixé, mais il se situera entre 100 et 250 dollars. Donc à partir du moment où vous aurez 3 clients placés par la compagnie sous vous, ce qui arrivera très très vite, vous ne payez plus l'abonnement, mais en plus, vous commencerez à gagner de l'argent. Pour devenir fondateur, il faut vous acquitter d'un droit de 97 dollars. Vous avez deux possibilités pour payer, soit par carte de crédit, soit par crypto-monnaie. Si vous payez par carte de crédit Visa ou Mastercard, vous aurez 5 dollars de frais, ce qui nous ramène à 102 dollars votre inscription en tant que fondateur chez OnPassive. 102 dollars, ça vous donne à peu près de 80 à 90 euros. Si vous payez par crypto-monnaie, c'est 97 dollars en valeur de la crypto. Il n'y a pas de frais si vous payez par crypto-monnaie également. Une fois que vous aurez payé, il vous faudra attendre entre 24 et 48 heures que votre compte soit activé. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez toutes nos coordonnées sous cette vidéo. Vous pouvez également vous inscrire en suivant le lien ci-dessous.